quand je parle qu'une femme qu'elle met sur la tête, qu'elle meurt, elle va en enfer là. Ou parce que c'est un jeu. Dès que tu as les mèches sur la tête, ta tête devient comme du méduse, la tête du méduse qui a le serpent. Vous parlez d'interroger le Seigneur. Regardez une femme qui a mis faux cils, faux ongles, qui a changé son, qui a peint son visage, on dirait le clown. Et tu penses que cette personne, si elle meurt, ça va au ciel. Le Seigneur a dit quoi? Dans Ésaïe chapitre 3, au verset 16, quand nous avons le titre Jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Les femmes de Jérusalem, c'est nous, on sera jugés. Mais il faut lire pourquoi on sera jugés. Lis, on va lire le verset 16, il faut lire. Les mèches là ne viennent pas de Dieu, ça vient se faire en bas des profondeurs de la mer. L'ennemi juré de Dieu, c'est Satan. C'est la sirène. Et l'ennemi juré de Dieu a décidé de corrompre la créature de Dieu en le poussant à la rébellion. Quand tu mets les mèches, les faux ongles, les faux cils, les rouges à lèvres, tu prends déjà l'image de l'ennemi de Christ. Tu as la marque de Satan. Tu as la marque de la sirène. Donc Dieu ne te voit plus comme sa créature. Il voit son ennemi en te voyant. Donc tu ne peux pas rentrer au ciel avec les choses de son ennemi au ciel. Donc Satan sait que lui, il a été rejeté. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui et la sirène ont décidé de nous aussi, de nous pousser à porter les choses pour qu'on ait la maximum 106, pour qu'on soit rejeté. Regardez une personne qui est née noire. Elle s'en prend une pommade éclaircissante pour devenir claire. Vous trouvez que c'est normal cela? Vous trouvez que c'est normal cela? Elle défie qui? Elle participe à la rébellion de Satan. Parce que Satan lui dit, mais Dieu t'a rendu noir. Deviens clair. Toutes les femmes qui portent les mèches, si elles meurent ça, elles sont à la tête du serpent, du dragon. Je ne raconte pas des bêtises. Je répète, à cause des commentaires, je fais cette vidéo-là encore pour répéter. Si tu penses que je mens, que la gloire revienne à Jésus-Christ, mais un jour, je prie Dieu que tu ne meurs pas dans ça, mais que le Seigneur se révèle à toutes ces personnes qui ont raisonné, à toutes ces personnes qui ont commenté des commentaires à dormir debout, que le Seigneur ait pitié de leur âme, que le Seigneur ouvre les yeux. Parce que, écoutez, au temps de Noé là, il y a Noé a prêché l'évangile. Parce que Dieu voulait détruire la terre. Mais néanmoins, il voulait encore donner une occasion aux rebelles, aux hommes là, pour les sauver. Mais il a utilisé Noé pour aller prêcher. Mais l'endurcissement, l'incrédulité, l'aveuglement, les a fait rater la hache. Et c'est 8 personnes qui ont été sauvées seulement. Et regardez au temps de Noé, 8 personnes. Vous pensez que quoi? Aller au ciel, c'est un jeu? Vous pensez que aller au ciel, tout le monde va au ciel? Le Seigneur dit quoi? Le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en a pas. Pourquoi le royaume de Dieu est forcé? Parce que les conditions qu'on va te demander là, est-ce que tu es prêt à supporter, à accepter? Toi qui es habitué à rouge à lèvres, toi qui es habitué à pantalon, toi qui es habitué à vernis, si tu n'es pas mis, tu n'es pas joli là, est-ce que tu peux tenir? Tu vas dire que mon mari me trouve plus belle. La beauté, ce n'est pas l'apparence, c'est la beauté intérieure que nous devons chercher. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui est un grand produit devant le Seigneur. Quand tu mets les mèches là, tu as la tête du dragon, du serpent, tout sera devenu serpent. Tu mets les bijoux, c'est le serpent. Tout ce qu'il était dit, la vérité, moi, en vain, j'ai porté toutes ces choses-là. Je me suis maquillé. Mais le Seigneur s'est révélé à moi. Je vous dis la vérité. J'étais comme ça sur un grand chemin. Une grande voie. Et sur cette voie, je marchais, j'avais un tissage sur la tête. Et quand je marchais, le Seigneur m'a dit, si tu meurs avec ces mèches, tu descends directement au séjour des morts, qui est le lieu de tourment, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Et il m'a montré 2 servants de Dieu. Parce que je disais, ah, est-ce que moi-même, j'ai douté de ça. Il dit, ah, est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que beaucoup vont en enfer? Et le Seigneur me dit, oui. Il dit, vous, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer, mais ne pourront pas. Beaucoup chercheront à aller au ciel, ils ne vont pas partir au ciel. Parce que pourquoi? Les conditions qu'on demande à d'autres ne peuvent pas comprendre cela. Il dit quoi? Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple va en enfer par manque de connaissance. Mon frère, ma soeur, ouvre les yeux. Commence à lire les écritures. Commence à rentrer dans le monde des jeunes. Commence à prier. Parce que moi aussi, je raisonnais comme toi. Mais je n'étais pas aussi, j'étais pas rebelle. J'ai fini par comprendre. Bien-aimé, il est temps maintenant de te ressaisir. Parce que la Bible déclare que de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde.